La commune de Semepoji accueille avec faste son fils nouvellement installé dans ses fonctions de député à l'Assemblée nationale. Ancien chef quartier et actuellement chef de l'arrondissement d'Aglangandan, l'élu se dit très ému. Donc tous les militants, ils sont dans la joie, ils sont contents, ils sont fiers, ils ont dit que ah, voilà les fruits de mes efforts. Donc c'est une joie qui m'anime également, c'est une joie. L'honorable député Hippolyte Nogbonyo Razoumé se rendra ensuite à l'église du christianisme céleste de Sekandi pour dire merci à Dieu et lui rendre gloire. Ici aussi, l'ambiance est festive. C'est ici, dans la cour de récréation du CG3 de Sekandi, que tous ont convergé. Un géant meeting de remerciements meublé de prestations artistiques et d'allocutions. Une occasion pour le député Razoumé de promettre fidélité aux siens. Je suis très sincère en amitié. Je suis très sincère en amitié. J'ai des amis, les parents qui peuvent témoigner ici, qui ont fait depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui que je vais vous manquer de respect. Nous allons continuer d'être généreux, d'être à l'écoute, hein, parce que nous sommes là en tant que un élu de la nation. Donc je suis sûr que nous allons répondre aux attentes des Béninois. Il n'y a pas de problème. Et je fais confiance à la 8e législature. Que les gens ont dit que nous sommes des députés nommés, mais nous ne sommes pas des députés nommés. Nous sommes des députés élus et nous allons défendre l'intérêt du peuple béninois. L'honorable Hippolyte Nogbonyo Razoumé va ensuite inviter la population béninoise à la concorde et à l'entente pour le développement du pays. Le nouveau député promet œuvrer à l'Assemblée nationale à travers les différentes lois et contrôles de l'action du gouvernement pour le mieux-être de tous.